Le bal est ouvert. C'était en fin de saison d'hiver cette année à Châtel. J'ai réalisé un titre de champion de France sur une très belle course qui était très bien organisée avec de très belles conditions. Et j'étais quand même très heureux et à la fois surpris aussi de remporter cette course avec tous les meilleurs skieurs français et qui font partie des meilleurs skieurs mondiaux aussi. C'était pour moi un honneur de faire partie de ce podium de légende. Et j'avais déjà performé il y a 3 ans en moins de 21 ans. Où j'avais fait vice-champion de France U21 et j'avais également fait vice-champion de France moins de 18 ans, mais cette fois-ci en géant. Cette entrée en équipe de France m'a obligé de déménager dans les Alpes pour suivre tout l'entraînement avec mon groupe au centre d'entraînement de la fédération qui se situe à Albertville. Mais je fais quand même toujours partie de mon club de cœur qui est celui de Péragude, comme c'est marqué là, et qui me soutient depuis plusieurs années maintenant. Maintenant avec aussi Balnéa. Durant l'été, je me prépare beaucoup physiquement. Je fais également pour mon plaisir beaucoup de vélos d'enduro. Et d'ailleurs, j'étais ouvreur lors du Pyrénées Bike Festival, donc qui était la Coupe du Monde, la 5e et la 6e manche de Coupe du Monde de vélos d'enduro à Loudenvielle, donc tout proche de chez moi, où il y avait d'ailleurs des spéciales qui passaient à Péragude et à Val-Louron. Le pont entre le vélo et le Super G, la prise de trajectoire, la lecture au loin, et puis évidemment la passion, j'imagine. Ouais, la passion surtout, et bah, cette passion du risque aussi, de la vitesse. Et pareil, hein, des sauts, des virages, c'est tout ce qu'on aime nous, tout ce qu'on retrouve en ski. Bah, j'avais pas du tout de pression durant cet événement parce que bon, on joue pas le chrono, on essaie juste d'arriver en bas, de montrer aux concurrents que la piste est bonne, elle passe bien. Il y avait tout le gratin mondial, tous les meilleurs pilotes de la planète. Donc ça me faisait quand même plaisir d'être là pour voir ça et également de pouvoir ouvrir, c'était un honneur pour moi. Donc voilà, cette médaille m'a permis de gravir un petit peu les échelons dans ma jeune carrière. Donc j'espère que ça va me permettre de réaliser mes premières Coupes du Monde l'an prochain. Maintenant, il va falloir confirmer la saison prochaine, et même si la concurrence est bien là et que voilà, ça ne va pas être facile. Mais on garde ça en tête quand même.